Delphine Batho, les 6 choses à savoir sur l'ancienne ministre à l'occasion de l'anniversaire de Delphine Batho. Closer.fr vous fait découvrir ces choses que vous ne savez, peut-être, pas sur la femme politique. Ce vendredi 25 mars, Delphine Batho fête ses 45 ans. Pour l'occasion, Closer.fr vous fait découvrir toutes ces choses que vous ne savez peut-être pas sur l'ancienne ministre de l'écologie et députée qui avait récemment comparé le Parti Socialiste à une mafia politique avec ses parrains, ses lieutenants, ses exécutants. Seulement bachelière, Delphine Batho s'est fait un nom dans la politique alors qu'elle n'a que le bac qu'elle a obtenu après avoir suivi un cursus au lycée Henri IV à Paris. Elle a tenté de faire des études d'histoire à Paris 7 avant d'abandonner. Elle a réussi à s'imposer grâce à son sérieux. Elle figure d'ailleurs dans la liste des députés les plus régulièrement présentes à l'Assemblée en 2017.2. Le drame de sa vie, la mort de sa mère Delphine Batho a perdu sa maman alors qu'elle n'avait que 8 ans. Sa mère, la photographe Claude Batho, est morte des suites d'un cancer. Très rapidement, elle va voir en ses collègues militants une seconde famille, 3. Un premier passage à la télé à 17 ans. Delphine Batho a fait sa première apparition à la télévision face à PPDA au journal grâce à son action dans le syndicat lycéen Fidèle, 4. Une pour la cuisine. Delphine Batho trouve toujours le temps pour voir ses amis en dehors de son temps de travail.